Est-ce que vous savez qu'à Redon, lors de la rave party, il y a des mains qui ont été arrachées, plein de jeunes qui sont tombés à l'eau. La préfecture a refusé l'accès aux pompiers pour les premiers secours alors qu'il y avait des gens qui allaient mourir. Je répète, peut-être que vous n'avez pas compris. Ils sont allés, vous savez, rendre hommage à Steve Canisso. Ils les ont massacrés à coups de flashball, grenades de désencerclement, gaz lacrymo, etc. Ils ont arraché une main et ils ont refusé aux pompiers de venir secourir. Là, en temps de paix, la préfecture. Mais s'il faut les fusiller tous, ces gens-là, il faut les fusiller. C'est des fous. C'est des fous. Et pendant des heures jusqu'au lendemain, il y a des pompiers qui témoignent, qui disent ça. Mais ce qui compte, c'est les crop tops et le voile et les danses. Très bien, continuez comme ça. Et il y a un black, ils sont tous d'accord autour de la table, c'est très, très, très curieux. Et il y a un black, je connais pas son nom, qui participe très souvent aux grandes gueules, avec l'avocate, là, dont j'ai oublié le nom aussi. Écoutez ce qu'il va dire, hein, écoutez ce qu'il va dire. Il est complètement fou. Il a plongé dans un délire, mais c'est tellement grave ce qu'il dit, il ne s'en rend même pas compte. Alors écoutez, hein. À ce mariage, et ceux qui étaient réticents vont le faire parce qu'ils veulent être à ce mariage. Alors, il résume tout par sa connerie, parce que là, vraiment, il est fou, c'est de la folie, c'est même pas de la bêtise. Là, il est devenu fou, ce mec. Il est en train d'expliquer qu'il y a un couple qui vient de se marier, qui divise la famille en deux, c'est-à-dire tu vas refuser à ton oncle de venir parce qu'il n'est pas vacciné. Déjà, c'est pas une famille, c'est une clownerie, ça. Ça, c'est pas une famille, ça. C'est des fous. Ils sont tarés. Deuxièmement, bande de gogoles. Si vous êtes vacciné, vous êtes protégé, non? Tu n'es pas vacciné, tu rentres pas, c'est bon. Oh, gogole, ta salle de sport sans les non-vaccinés, elle coule. Ce n'est pas possible, c'est pareil pour les restaurants. Gogole, il faut un cerveau maintenant, ce n'est pas un mariage où il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles à l'école. Il faut aller à l'école, reprendre les études, apprendre la logique, le raisonnement, les maths, hein, la logique. Les maths, la géométrie, c'est pas possible d'être aussi bête. Ils sont fous, ces cons. Ils ont une arrogance. Ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire les familles, l'économie. Mais qu'est-ce qu'il faut être bête, mon Dieu, qu'il faut être bête. Et ça passe tranquille sur RMC, tranquille.